Eh bien, bonjour tout le monde. Et nous continuons donc l'entraînement, la progression à travers cette vidéo. Allez, c'est parti. Allez, monsieur Bidashi, Togeni. Et... Allez, c'est parti, en trottine. Allez, on se déplace. Allez, croisez. Allez, on reprend trop normal. Allez, croisez avant arrière. On reprend le trop normal. Allez, on se déplace. Flexion. On remonte. Flexion. On remonte. Nouveau. Chut. Et beau. Et le dernier. Ok, allez, la tête avant-arrière. Allez, droite-gauche. Allez, pivot de tête. Ok, on reprend le trot. Ok, allez, rotation épaule. Pas trop vite, par contre bien mettre de l'amplitude sur le mouvement. Allez, je change de sens. À nouveau. Allez, changement. Ok, allez, coude. Allez, rotation, change de sens. Allez, l'autre bras, même chose, flexion. Change de sens. Ok, allez, on reprend le petit trot. Ok, allez, poignée, flexion. Allez, rotation. Allez, ouverture.
Ok, allez, aguet-huqué. Aguet-huqué. Très souple. Ok, allez, rotation. Pardon. Petit trop. Allez, rotation des hanches. L'autre côté. Allez, à nouveau. Ok, très bien. Allez, montez genoux, intérieur, extérieur. Intérieur, extérieur. Allez, l'autre côté, extérieur, intérieur. Voilà. Allez, l'autre jambe, même chose, intérieur, extérieur. Et l'inverse. Extérieur, intérieur, voilà. On reprend le petit trot. Ok, allez, à nouveau rotation. Allez, sans forcer. Et l'autre sens. Okay. Allez, très bien. Allez, on va monter le plus haut possible. On rentre le menton. On est sur les plantes de pied. Et on se grandit. Allez, on étire, on étire. On maintient bien l'équilibre en plus. On relâche. Allez, même chose. Allez, on se grandit. On relâche. Allez, petit trot. Ok, allez, montez les coudes. Ici, le long des oreilles, on est très souple. Voilà, très souple. Et on va chercher les mains derrière le dos. Voilà, pensez à respirer, pardon. Inspiration, expiration pendant les petits étirements. Allez, l'autre côté. Même chose. Ok, allez, petit trot. Ok, très bien. Allez, passage Zenkutsu Dashi. Poser la même chose. Allez, passage Kokutsu. À l'opposé. Ok, passage Kibadashi. Allez, point devant, Shukizuki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on reprend le trot. Ok, allez, on va chercher les deux mains devant. Allez, à l'opposé, même chose. Allez, on va passer donc sur le talon gauche ici. Et la jambe droite tendue. Vous pouvez prendre appui au sol si vous le souhaitez avec les mains ou pas. Ok, allez, même chose de l'autre côté, on bascule. Ok, très bien, allez, on passe en chaud. Ici donc, Shikodashi. Ok, très bien. Allez, un écart de hanche. Et même un peu plus prononcé pour les pieds, et je descends. Allez, je descends les mains le long des chevilles. Allez, à droite. Bien laisser tomber le corps vers l'avant. Ok, à gauche. Ok, très bien. Allez, on regroupe les deux pieds. Voilà. Et on redescend lentement. Le buste bien vers l'avant. Bien respirer. Allez, flexion. Voilà, sur les talons. Allez, les mains au sol. Allez, je remonte. Allez, à nouveau flexion. Ok, allez, essaye ça. Allez, on ramène les talons bien au centre. Allez, les coudes en appui sur les mollets. Ok, les jambes devant. Je touche les orteils. Ok, une flexion jambe droite. Gauche passe par-dessus. Voilà, et rotation du buste vers l'arrière.
Ok, allez, la même chose de l'autre côté. Ok, allez, on se relève. Les quadriceps. Recharge d'équilibre. L'autre côté, même chose. Ok, allez, petit trou. Ok, très bien. Allez, c'est bon pour l'échauffement. Allez, Julie Dachy. Ok, allez, petit échauffe, petit travail de technique de combat. Ok, très simple, donc en Fudodashi. Voilà, on va effectivement donc aller vers l'avant, vers l'arrière, hein. Donc, travail de petit déplacement. Ok, et donc l'enchaînement, c'est celui-ci, c'est Kizami, Gyaku, Kizami, et je reviens en position. D'accord, voilà, voilà, Kizami, Gyaku, Kizami. Peu importe le côté que vous choisissez, on va faire les deux. Voilà. Donc bien entendu, Kizami dès que je vais partir vers l'avant et pas vers l'arrière. Hein. Voilà. Kizami, Gyaku, Kizami, avec à chaque fois, bien entendu, ce travail important de la hanche. Hein. Et je reprends ma position. Alors, on y va ensemble. 1, 2 et 3. Très souple. 1, 2 et 3. Donc le Kizami se trouve au niveau de Jodan, le Gyaku est sur au niveau Shudan ici. Vous avez remarqué. Hein. Voilà. 1, 2, 3. Et 3. Allez, à nouveau. 2 et 3. Et encore. 2 et 3. Ok, je change de côté. Allez, je vais le faire dans votre sens. Le principe est le même. Ici, je suis jambe droite devant. Donc, 1, 2 et 3. D'accord. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Et le dernier. 1, 2 et 3. Voilà. Pour ce petit échauffement. Alors, deuxième enchaînement, donc c'est, on va partir directement ici, en Gyaku Shudan, d'accord, Gyaku, et ici on va faire un petit déplacement, un petit retrait, une petite esquive, Kizami et Gyaku. Je vais faire dans votre sens, regardez bien, voilà. Gyaku, la jambe devant donc va partir en premier et le pied va partir légèrement sur l'extérieur et le pied arrière va entrer donc en rotation. 1 et 2. D'accord. Donc c'est le pied avant qui bouge en premier
et le pied arrière se déplace de façon à se retrouver décalé par rapport à l'axe du partenaire. Donc on reprend, on est bien. 1, 2 et 3. Les kizami sont toujours jodan, le gyaku est toujours shudan. Donc on reprend. Voilà. Voilà, dès que je pars vers l'avant, gyaku, déplacement, kizami, et gyaku à nouveau. Voilà, encore. Gyaku, kizami, gyaku. Voilà. Et gyaku, kizami, gyaku. Et voilà. Et gyaku, kizami, gyaku. Et encore deux. Gyaku, kizami, gyaku. Gyaku, kizami, gyaku. Voilà, ça permet de contourner un peu le partenaire, en fait. L'autre sens, même chose. Donc ici, jambe droite devant. Le principe est le même. C'est donc le pied avant qui va partir en décalage ici vers la droite en premier. Et la jambe gauche qui va donc réaliser une petite rotation, si vous voulez. D'accord ? Donc on y va. Gyaku, kizami, gyaku. Voilà. Gyaku, kizami, gyaku. Gyaku, kizami, gyaku. Et chi. Pensez bien donc à la hanche à chaque fois. Gyaku, kizami, gyaku. Pensez à cette hanche. Et encore deux. Gyaku, kizami, gyaku. Dernier. Et voilà. Ok, Yamé, très bien. Alors, on va reprendre ce petit exercice en faisant les deux enchaînements, d'accord ? On va alterner à chaque fois. Donc le premier, ça va être effectivement kizami, gyaku, kizami, d'accord ? Ok, puis gyaku, kizami, gyaku avec un petit déplacement. Donc je remonte, d'accord ? On revient à ce qu'on a fait tout à l'heure, pas plus. D'accord ? Donc kizami, gyaku, kizami, je reprends ma distance, gyaku, petit déplacement, kizami, gyaku. Ok ? À chaque fois, on change de technique, on change d'enchaînement, si vous voulez. On va faire ensemble, dans votre sens. Jambe gauche devant. Voilà, donc on commence par les kizami. 1, 2, 3. Ok. Et maintenant, c'est le gyaku. 1, 2 et 3. Voilà. Allez, re-kizami. 1, 2, 3. Ok, attention, gyaku maintenant. Gyaku, gyaku, boum. Voilà. À nouveau, allez, kizami. Kizami. Gyaku, kizami, gyaku. Et encore deux. Kizami, gyaku, kizami. Attention, on commence par gyaku. Gyaku, kizami, gyaku. Ah ouais, avec ce petit décalage sur le côté. Et le dernier. Kizami, gyaku, kizami. Gyaku, kizami, gyaku. Voilà, ok. Très bien. Même chose de l'autre côté. Alors, bien sûr, n'hésitez pas à stopper la vidéo au besoin et reprendre si nécessaire, bien entendu, avant de démarrer de l'autre côté. Allez, jambe droite devant. Donc, les kizami. Kizami, gyaku, kizami.
Attention le gyaku maintenant. Gyaku, kizami gyaku. Avec cette petite rotation. Déplacement et rotation. Allez. Kizami gyaku, kizami. Gyaku, kizami gyaku. 1, 3. 1, 2. Ferme le côté. Ok, Yamé. Donc surtout, n'hésitez pas à retravailler sur ce type d'enchaînement autant qu'il le faut. Très bien. Alors, dernier petit enchaînement. On y intègre ce coup-ci un blocage, Gelan Barai, et une technique de jambe. Alors ça donne ceci. Il y a quatre techniques. Hein. Toujours en position, donc Fudodashi, pas très léger, voilà, très souple. Combat toujours, donc Gelan Barai, Gyaku, Maieri et frappe. À nouveau. Voilà. Gelan Barai, Gyaku, Maieri et Kizami plutôt. Gelan, Gyaku, Maieri, Kizami. Voilà, je le fais dans votre sens. C'est un peu plus simple comme ça. Voilà, donc ici, jambe droite devant. Gelan, petit retrait. Gyaku, Maieri, Kizami. Et je reviens en position. Voilà. Gelan, Gyaku, Maieri et Kizami. Le Maieri part de la jambe arrière. 1, 2, 3 et 4. Avec ces notions quand même de distance, de travail, d'avancée, on ne reste pas sur place. On tente de gagner du terrain. Voilà. 1, 2, 3 et 4. Allez, encore deux fois de sauter là. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Dernier. 1, 2, 3 et 4. Ok, même chose de l'autre côté. Allez, jambe gauche devant. 1, Gelan, Gyaku, Maieri, Kizami. Gelan, Gyaku, Maieri, Kizami. Attention importante pendant le Maieri, bien sûr. De maintenir la garde, de manière à repartir en Kizami rapidement. 1, 2, 3 et 4. Voilà. 1, 2, 3 et 4. Voilà, puis je peux alterner autant de fois que l'on veut. C'est ce qu'on va faire. Une fois à droite, une fois à gauche. Hein. Allez, jambe gauche devant. Allez. 1, 2, 3, 4. Et jambe droite devant. 1, 2, 3 et 4. Et rejambe gauche devant. 1, 2, 3 et 4. Et jambe droite devant. 1, 2, 3 et 4. Allez, les deux derniers. Pour la forme. 1, 2, 3, 4. Et je peux même ici me protéger. On est en combat, hein, donc protection, vous voyez. 1, 2, 3 et 4. Ok, Yamé. Allez, Yasmé. Ous.
Alors, pour ceux qui le désirent, peuvent maintenant enchaîner par les trois petites techniques d'enchaînement que l'on vient de faire. Donc je rappelle, hein, si je vous montre, d'accord, kizami, gyaku, kizami, puis gyaku, rotation, kizami, gyaku, d'accord, puis gedan, gyaku, ayeri, kizami, voyez. Pas de souci, si vous avez encore de la pêche, vous pouvez y aller. De plus, vous pouvez également inverser, hein, bien entendu. Inverser, voilà. Donc, kizami, gyaku, kizami. Ok. Gyaku, kizami, gyaku. D'accord. Gedan barai, gyaku, maegeri, kizami. Ok. Vous avez des pistes de travail. Vous faites ce que vous voulez, à la vitesse que vous souhaitez. Vous pouvez monter donc en vitesse, en puissance, etc. Vous voyez, avec peu d'espace, il y a des tas de possibilités en fait. Très bien. Alors, pour terminer, donc, on va travailler un peu sur le kata, donc Teki Shodan. Ok. Toujours avec ce travail de respiration, inspiration, expiration, intermédiaire, bien entendu, hein, qui vous évite d'être trop essoufflé en fait à la fin de votre kata. Ok, allez, on reprend donc Teki Shodan. Ok, donc je salue, et j'annonce Teki Shodan. Voilà, passage en yoi, et les pieds sont joints. Main gauche sur main droite, vous connaissez, c'est un rappel, hein, vous essayez de le retrouver. Pour les moins gradés, vous essayez de suivre, d'accord, quitte à visualiser plusieurs fois la vidéo. Hein. Attention, j'inspire, tête. Préparation, inspiration, expiration. Okay. Inspiration, expiration. Même chose ici. Inspiration, déplacement, préparation, uchiuke. Inspiration, préparation, urazuki. Inspiration, tête, namigaishi, frappe, tête. Inspiration, namigaishi, frappe, tête sui. Inspiration, double zuki. Longue inspiration, aussi j'en profite pour me reposer. MP, inspiration, Gedan Barai, Kajizuki, inspiration longue, Uchiuke, Gedan Barai, préparation, Urazuki, tête, inspiration, Namigaishi, expiration, tête, inspiration, Namigaishi, expiration, inspiration, expiration, Kiai, bien entendu ici, évidemment, ouverture des mains, tête, inspiration profonde, ramenez. Yoi. Et je salue. Ok. Très bien. Allez, on le fait une dernière fois ensemble. Et après, vous allez essayer de retrouver votre rythme. Donc ici, je vais le faire toujours lentement. D'accord, temps par temps. Simplement. Je ne vais plus vous parler des moments d'inspiration, des expirations, vous allez vraisemblablement l'entendre un peu. Hein. Allez, on part de la position yoi. Et... Et ici un kiai, bien entendu. Hein. Et je salue. Alors, bon, je l'ai fait un petit peu plus vite que ce que j'avais prévu. Ok. Parce que j'étais embarqué un petit peu par l'inspiration, l'expiration, justement. D'accord. Très bien.
Et on peut aller encore, bien entendu, hein, beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, évidemment. Voilà, donc, travaillez là-dessus. Si vous ne maîtrisez pas ce kata, je parle pour les moins gradés, reprenez vos katas de base, d'accord, Shodan, Nidan, Sandan, etc. Et donc, n'hésitez pas à profiter de ces moments de solitude, si je puis dire, mais pas tout à fait, de façon à travailler sur ces aspects d'inspiration, d'expiration qui sont extrêmement importants. Le but étant que lorsqu'on se retrouve, je vois un peu la différence, en fait. Hein. Voilà, très bien. Alors, je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée. À très bientôt, je l'espère. Ok. Allez, on se fait donc un petit salut. Mujubidashi, Togeni. Voilà, merci beaucoup pour avoir assisté à cette vidéo. Ciao, ciao, bonne journée, à bientôt.